C'est la 23e donc, édition de la Coupe El Amri qui s'est jouée donc, cette année au golfe de Darsalam. Donc voilà, on voit que c'est une compétition qui a pris de la valeur auprès des joueuses et tout, parce qu'on reçoit de grandes joueuses du Ladies European Tour. Donc nous avons reçu Suzanne Peterson qui a gagné plus de 20 tournois à l'international. Elle joue sur le Ladies European Tour et sur le LPGA, donc aux États-Unis. Nous avons reçu aussi donc, la tenante du titre qui est l'espagnole Nuria Iturrioz, Laura Davis, Gladys Nocera, Becky Brewerton, bref, beaucoup de joueuses de haut niveau. Année en année, on voit donc le professionnalisme des équipes à tous les niveaux, hein, que ce soit sportif, logistique, vraiment à tous les niveaux. Côté sécurité également, sans pour autant que ce soit contraignant pour les visiteurs. Les gens rentrent au golf avec une fluidité incroyable, mais en même temps en balisant tout le côté sécurité. Bref, une logistique vraiment incroyable. C'est vraiment de bout en bout toute la semaine, une organisation parfaite. Et c'est pour ça aussi que ces joueuses de renommée mondiale reviennent chaque année jouer cette coupe.